croix nous dit l'insécurité ça qui gagne dans pays hein? Certes nous connaît et admet bien ça ou les insécurité généralisée qui toujours gagne, mais cette forme d'insécurité li gagne en connotation, li gon motivation et politique pour les besoins de la cause de un pouvoir qui gagne en velléité pour créer une psychose de peur et pour empêcher un soulèvement de la population. Stanley Luka, comment est nous tous romanes, et parce que la mort met mon ferrier d'Orval là, il y a un impact personnel sur moi, parce que lycée ancien élève, mais, et monsieur son monde, moi parle chaque semaine avec lui, et il y a un paquet de positions que je prends, toujours demandé avis juridique, parce que son nez qui connaît tout bon, son lumière à la société à monsieur Théier, donc comme ami, comme ancien élève, moi, comme on qui a son travail valable pour structurer Jean Avocat à fonctionner dans le pays d'Haïti, position qu'il prend sur les dossiers nationaux, c'est avec intellectualiste. Donc pour apprendre nouvelle ça, comme crime qui fait sous l'IA, son bail qui crie, c'est révoltant. Très bien. Nous-mêmes nous condamnons, crime, et nous saluons le panel ici là, ensemble. Très bien. Bon, gardez avec vous, Stanley. Questionnement en pile. Pèlerin 5, Boka et président. Yon crime qu'on s'a fait. Yon péta pas pété. Gede moun qui dit tête surtout. Yon te ka même attaqué président à n'importe moment. Président ka victime ou à tout. Et yon questionne tout le fait toujours qu'on backup la police devant barrière pour entrer dans zone ça. Est-ce que le patelier soit m'pas connaît? S'il te là pour qui ça va gen deux balles tout pété? Pour qui ça va gen arrestation fait? On a regardé ça ensemble. Bon. Et Jean. Panelis précédent yo dil et le bon crime qui commet et moi même avoir et panelis yo pa konnen ki jan crime ça a fait ou sonje le ou te touye deux danseurs yo dans pile spéculation qui te fait jusqu'à ce que la police vienne joindre moun ki touye deux danseurs dans cas ça soit fait ou il y a trois théories et pour moun ka avocat bo tabla bien trois théories en général pour considérer. Pour considérer son crime par rapport à l'insécurité générale qui vient dans le pays, a, premier scénario. A. Deuxième scénario, a, pour rien doit considérer peut-être bon monde dans le pouvoir qui fait. Et troisième scénario, a, bon monde dans l'opposition qui fait et pour l'acculer le pouvoir. Donc, dans trois scénarios, ça a aussi allié et nous ne connaissons pas l'enquête. Là. Deuxième partie de question, là, c'est sur la situation de sécurité, PIA et sécurité du président de la République. Et son problème qui posait depuis 2011, le attaqué président Matéli au Cap, et une bonne tentative d'assassinat pour le président Matéli récemment dans le Cap haïtien, on gain sécurité président, qui était président Jovenel, qui était remis en question dans deux ou trois incidents. Donc, ou bien deux questions qu'on va poser par rapport à la question qu'on posait à. Et faut-il renforcer la stratégie de protection et de sécurité de la présidence et du président de la République? Et deuxième question qu'on va le poser à, c'est la stratégie de sécurité nationale par rapport aux sept menaces de sécurité nationale qui viennent sous pays. Dans sept menaces de sécurité nationale, il y a deux que nous avons vu aujourd'hui. C'est la montée des gangs et deuxième menace, là, c'est ça nous connaît depuis longtemps sous cette menace. C'est à cause du virus Corona et coronavirus. Là. Après, pour pouvoir ouvrir le pays. On garde monter des gangs, mais pour Corona, il est à couvrir le pays. Bref, il a ouvert l'école et en dehors de ça, Corona continue à monter. On garde qu'on y a gang, il y a tout, en pile, on a préposé pouvoir, il y a dit ces gangs de pouvoir. Ça, so, tu as répondu. OK. Et l'autre cas, docteur Vagabond, m'a dit sur maladie qu'on souffre. Phénomène des gangs émergé après l'écrasement de la mer en 1995. C'est les sorvins qui ont émergé, qui était dans la station Gonaïve, chef de gang, ou bien Félix Bien-Aimé, alias Gauffé, qui vient paraître dans Grand Ravine, ou bien La Bannière, Colibri, Dred Dimé, Ronald François, Evansi Couteau, Tiblan, Ronald Kadar, Franco Camille et Latrier. Donc, notre gang, ça, on l'a eu une forme, il y a eu des conseils de six mondes qui étaient entre 8 et 17 ans là-dedans, qui étaient soldats.
soit regarder des vidéos qui documentent ça sur internet là. C'est si mon ça qui te gagne 8 ans 10 ans à l'époque dans gang ça yo. Et yo qui frappé là? C'est yo qui émerge qui gagne entre 33 ans et 45 ans aujourd'hui. Donc si mon ça gagne à peu près 20 ans qui a tué monde. C'est ça relé en anglais serial killer. Ça veut dire que c'est des tueurs en série que yo gagne 20 ans y a tué monde depuis les autres soldats à l'âge de 8 ans 12 ans. Je dis à yo gagne 33 et 45 ans. Donc je dis, si vous voulez résoudre le problème d'insécurité, par rapport à 96 gangs qui existaient dans le pays, nous connaissons que pendant les 8 derniers mois, la police crasait 52. Il y a à peu près 45 qui étaient pour craser. Donc c'est qui ça, stratégie de sécurité nationale là? Est-ce qu'il va être bon que nous faisons? Mais invitez-vous à Brio là, oui, Luca. Invitez-vous à Brio, ni M. Caleb, ni député de Colonel, ni à Brio là. Yo gen droit, oui, mais ça m'a dit, c'est sérieux. Donc est-ce que nous-mêmes, en dedans le pays, nous allons organiser des forums départementaux sur l'insécurité pour comprendre l'insécurité dans chaque département et développer une stratégie nationale et départementale de lutte contre l'insécurité. Par exemple, dans la Tibonite, nous connaissons ces gangs et ça vient par rapport à gangs qui marchent dans l'autre. Dans la Cité Soleil, nous connaissons ces Gabriel, ces Iska. Chaque côté dans la zone, nous connaissons un département. Par exemple, dans le département Sud-Lan, ou un commissaire gouvernement avec un police qui est très agressif, qui casse les gangs de façon systématique. Comment côté la police à la justice réussit, comment nous servir à leçon ça pour nous implémenter dans chaque département. Bien entendu, on va regarder relation entre gangs et les secteurs politiques, relation entre gangs et les secteurs privés, relation entre gangs et la société civile. Tout bagaille ça doit rentrer dans le cadre global de l'ordre du secteur politique. Luka, m'a gagné deux bagailles dans tête, moi m'a gagné pouvoir et l'opposition. Qui a pensé gagner contrôle yo là dans moment? Bon, par exemple, sous garde stratégie d'insécurité, par exemple, que l'opposition utilisait pendant les trois ans et demi, côté au 16 il y a dans le pour faire pays là. Parce que, ou même comme journaliste, ou bien toute vidéo pays là, ça avec opposition, dans le cap marché pendant pays là. La. On va faire une analyse de réalité ça. Il y a des accusations qui faites contre le pouvoir, que Anel a travaillé pour le pouvoir. Même moi, c'est pouvoir qui mettait Anel en bas. Il y a des accusations qui faites que G9 a travaillé pour le pouvoir. Mais c'est pouvoir qui va mettre G9 en bas. Qui l'a mettre là? Qui l'a mettre G9 en bas? Bon, et la stratégie de sécurité, ou une première phase, opération Terminator 1, qui commençait par les résultats, ou un bilan, ou commençait par paraître en matière de résultats concrets, probablement que le phénomène gang que nous avons battu avec lui là, il date de 1995, et nous permet d'évoluer en dedans pays. Maintenant, c'est qui, Jean? Moi-même, parce que moi-même, si on est honnête dans la discussion que m'a fait, c'est un point politique, parce que il y a des dossiers qui pas de diviser. Dossier sécurité nationale pays a pas de diviser. Où gon idée et Luca, Terminator 1, où gon idée en dehors de Timoun Kadi Tiban Dide maman Timoun ka fait ça, où gon idée un vrai chef gang la police arrêté? Bon, et moi la police présente de grands chefs gang à la population à chaque fois que arrestation au fait. Toute vidéo ça est sur YouTube, c'est pas Yodi que y est, c'est des évolutions concrètes. Parce que démantèlement, ça t'a voulu dire. Faut étudier structure gang, qui est capable d'alimenter en ZAM, qui est capable de cob, territoire gang, etc. Et c'est pour ça, ou même, m'a invité au lit, un livre qui est disponible sur Internet, là, ensemble avec deux invités qu'on gagne là, livre les zombies phares. Que on nèg qui dans ministère a écrit li découvre comment on nèg dans secteur privé distribuer zam à l'agent ba gang yo. Donc l'on parle de goumen contre la problématique des gangs, gen deux trois bourgeois en dedans pays a pour pas obligé arrêter même quand arrêter cri flod. M'pense l'important mais en même temps tout gen des nèg politiques qui connecté à gang yo, les liens établis avec des preuves dans quelque soit camp politique que moun nan yé lié à l'an, là, il a arrêté le pouvoir de parler dans la radio. Député à la motion, Luca. Vous mettez sous ligne, député de Colin Gomotion. Non, motion, motion, m'ta prend, étant donné que
et monsieur Stanley Luca li Washington depuis des années et on connaît à travers les réseaux sociaux grand pile fake news puisque j'ai comme l'impression tout ensemble de témoignages et Stanley Baila de bagaille dit ouais sous vidéo sur YouTube j'ai comme l'impression Stanley Luca et au gain les et après en dedans pile fake news puisque de bagaille que nous-mêmes qui sur le terrain et n'a vive c'est tout le contraire de Saoudi Layo ou parler de Arnel Joseph. Donc, quoi que la clameur publique et tout indicateur concordé pour montrer que Arnel était gain de ramification avec de moun qui n'en pouvoir pour ne pas le citer le sénateur Garcia Delva. C'est vrai gagnant de désaccord avec le président de la République. Donc, moi, quoi, tout Stanley Luca, l'honnêteté et probité intellectuelle, si ensemble de gangs qui existaient, s'il est vrai que c'est avec l'opposition, évidemment, moi-même, je suis un opposant, même toujours prendre la précaution pour me dire, je vais mettre même dans du feu pour tout opposant, je ne vais pas prêt à le dire ou que par le passé ou peut-être dans un passé récent par contre gagnait de moun qui gagnait zam illégal qui gagnait de rapport avec des opposants politiques, c'est possible, mais la vérité Stanley Luca et tous les rapports et même de rapports qui viennent des institutions internationales qui jusqu'à date a supporté le régime de Jovenel Moïse, ben ils ont convergé évidemment dans le même sens que certains gangs qui existaient ont certaines passivités pour pouvoir agir contre une série de gangs parce que tout simplement gagnent de liens étroits entre gangs ça y est et moi qu'on est ou faire communication politique tout il fallait tout simplement qu'on décortiquer les dernières prises de position de barbecue pour caser entre l'opposition et le pouvoir qui quand que barbecue lui-même la paix travaille et oui, Luca ou là? Sanle ou là? Moi, étant des quatre points et ancien député de Colline Sotbaï là, contrairement à lui-même, toute information que le bail est toujours vérifié et vérifiable. Ok. Et je dis par rapport au premier point, est-ce qu'il y a des relations entre des parlementaires et des gangs? Absolument oui. Et il y a des auditions qui faites dans le Sénat qui montrent que toute une série de parlementaires qui disent habitué tout le monde, rachet dans la Chambre des députés, où il y a des relations entre gangs et parlementaires. Et ce n'est pas fake news que dit. Le parlementaire lui-même, en pleine séance, côté des collines, là, que le parlementaire a dit qu'on tue le monde, qu'on rachet le monde. Et nous avons besoin de tout le monde. Et Kanel avec Gracia. Ma vin tout ça. Même pas n'importe ce côté. Quel que soit parlementaire qui lié à gang, il faut la justice casser. Pas n'a menti. Et comme si il y a des mecs qui ont posé la gang pour ce côté-là. Donc, même pas n'a menti. Information, moi, toujours vérifié. Quand il y a relation entre gang et opposition radicale, là, on n'a pas besoin d'aller loin. Et c'est pour ça, nouveau technologie ou important, peut-être que Pinatéa a dû faire tout ça avec eux, ou ancien député, pardon, qui voulait candidat au Sénat. Donc, ou pas qu'à faire via fake news. Et toute vidéo, manifestation pays loc, yo violent, yo t'es là, ça avec opposition radicale, là, quand yo tap marché dans pays loc, ou pas qu'à prendre pause, pour y aller, yo propose, ou pas qu'on est, ça avec eux, ou t'es qu'on marché, comme opposition radicale. Pour y aller, rapport international, quoi, parler, c'est vrai, et faut dire bien loi de dire, et international, là, exprime en préoccupation, par rapport à la dégradation de la sécurité dans le pays, à tout le monde senti. Et l'international a demandé l'autorité de l'État, et ça c'est vrai, pour prendre responsabilité. Quant à Barbecue, son chef de gang qui commet des actes criminels, dans le sens où le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, le commissaire gouvernement, il fait travail, il y a un réquisitoire d'informer qui fait par rapport au crime commis à la Saline. Réquisitoire d'informer ça selon les procédures judiciaires ont été transférés au cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction a questionné près de 105 personnes et il y a 70 personnes qui ont été mises sous les verrous dans le cadre de l'enquête du juge d'instruction sur la Saline. Donc, 65 personnes? Un sénateur. Il y a 65 personnes. Qui paye? Qui côté? Qui juge? En Haïti, qui juge? Le juge d'instruction.
C'est pour ça il faut lire. Non, écoutez. Monsieur le député, permettez-moi de finir parce que l'on va parler à monsieur. Stanley Lucas. C'est M. Caleb qui voulait prendre en motion. Ok, attendez. Bon, t'as le M. Caleb, bon, posez Lucas la question. Non, il parle des 65. Oui, c'est question ça m'a posé. Oui, M. Caleb, c'est avocat et barreau Port-au-Prince. Moi-même, tout ne connaît pas ça. Dossier 65 monde sous question ça, je ne connais pas. Qui est-ce que Les 65 personnes qui ont été arrêtées par le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête de la CARI. Quel juge d'instruction? Si vous vous informez auprès des circuits formels de la justice haïtienne, Monsieur, même Barry, non, il n'a pas parlé, monsieur. Il n'a pas parlé. Ah, mais faut tirer tout, Lucas, faut tirer tout! Non, mais le juge a un nom quand même. Le nom du juge. Regardez. C'est même Jean Legio propose que juge d'instruction, pas des réquisitoires d'informer qui fait un dossier Petro-Caribéa, juge d'instruction. On n'est pas là. Le nom du juge qui a déjà procédé à l'arrestation de 65 personnes. J'aimerais le savoir. Maître, je ne suis pas avocat. Vous êtes un avocat. Vous savez que pour donner justice au plaignant, il y a des procédures à respecter. La procédure commence par le réquisitoire d'informer du commissaire du gouvernement qui va trouver le juge d'instruction. Très bien. La procédure, ça, il prend à peu près 6 ans pour nous condamner Clifford Blanc. C'est bon, qui fait en 2 jours. On ne va pas être flamand. Antoine Kounia dans le dossier, Lucas. Antoine dans le dossier, le nom du juge et les 65 personnes. Bon, je n'ai pas le nom du juge, je peux t'appeler et lundi ou mardi, te donner le nom du juge et les personnes qui ont été interrogées. Donc, on bagaille qui fait, c'est que dans quatre dossiers, la saline, et réquisitoire d'informer à fait, juge d'instruction, mettez mon en bas code. Et barbecue, bien pour le passer devant juge d'instruction. Et avocat qui chita là, on ne passe pas vraiment qui là-dedans. Très bien. En tout cas, Mette Caleb, une réaction rapide avant de voir Lucas. Allez, Mette Caleb. Bon, je salue M. Stanley Lucas. Et tout à l'heure, vous voulez attribuer les gangs armés avec l'opposition. Moi-même, d'après ça, tout rapport qui sorti, moi, tout gang, quel rapport national et international, moi, tout gang, yo montré clairement que vous avez des liens avec le pouvoir en place là. Si on prend exemple, massacre la Saline, côté que, yon montre que c'est un ancien secrétaire d'État et ministre intérieur, M. Fidnel Monchi. Ancien directeur général. Directeur général, disons mieux. Qui c'est ancien également directeur départemental de l'Ouest, là, M. Duplan, qui a un lien avec Gagnon. Et si on fait confiance tout avec déclaration et ancien conseiller président Maître Nol Georges, qui dit que ministre qui te prend balance, effectivement, c'est l'agent qui te pote by gang yo en bas. Sous tout bal sa yo, nous même et tout rapport, et tout moun yo épinglé dans tout rapport national international, nous est que c'est partisan pouvoir ou bien c'est moun qui travaille dans pouvoir. Pas de pièce rapport qui montre que c'est yon gang qui a un rapport avec opposition. Je ne peux pas comprendre sous qui base ou même ou choisi dit gang yo, c'est gang opposition. Nous avons besoin de lumière. Est-ce que le rapport ça yon pas dit rien? Est-ce qu'on pas lié ou même? Parce que, comme on parle de 65 personnes qui ont arrêté, non, dossier tout beaucoup contre qui juge, parce que dossier, même sur la justice des prêts, et c'est là dans le moins fonctionné, nous avons bien aimé qu'on ait yo. Parce que nous avons un rapport, dossier, on parle de dossier massacre, ça nous a quitté dans le juge Chavan Etienne, qui sont juges, nous avons dit, il y a un juge qui système n'a fait confiance. Monsieur Pouvoir, les juges ont été bien pour le relais, ont été récusés juge là, et dossier actuellement dans la Cour de cassation. C'est un obstacle, dossier ça vient qui fait le bacam. Nous avons bien qu'on ait. En allez, Lucas! Nous avons plus sur ça, s'il te plaît. Ok, moi, monsieur et maître, respecter compétences et. En général, je n'ai pas un problème différent avec les gens qui ont compétence. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Et dernier rapport, secrétaire général des Nations Unies en fait, il y a 17 pages là-dedans. Et nous, tous les 17 pages. Et il y a un truc qui est certain, c'est que c'est tout à fait normal, et c'est processus démocratique. Là. Si on a un dans l'État, non, si tu as un affaire, qui ça l'État responsable a fait, libérer Montaïo pour la mettre à la disposition de la justice, parce que selon la loi,
existe en dedans pays a les accusons au monde faut président mettre monde ça à la disposition de la justice ça pour les accusations qui fait sur monde ça ou même comme avocat on connaît nous gagne droit joindre c'est vrai monde n'a pas bacol c'est pas vrai monde n'a innocent maintenant l'aime dit que gang yo lié à opposition pas aucun auditeur capteur de radio là qui pas connaît que c'est la vérité m'a dit parce que il était sur toute télévision pays a les gangs yo t'ap marcher avec mon opposition yo pendant pays lok là au contraire c'est pendant pays lok là que gang yo prend jarret nan ki période nan ki espace ou Yeluka parce que là dit gang yo connaît tout pays a tout pays a an gade sous situel pour nous sous dit n'entrer sud là n'a bon idée sous dit n'entrer nord n'a bon idée et sous dit n'entrer sud là tout n'a pas d'autres réactions bon mets-toi à l'aise très bien en quoi période lok là dans zone métropolitaine là c'est gang qui aide opposition à tirer sous la police c'est gang qui t'a pillé et femme qui dans la rue et violé femme et volé sous chauffeur tout ça au gain mandé monsieur bay quelques cas citer quelques noms de gang ça passé à Luca mais quand on pas veiller avec moi mais ça n'a pas li l'aime parler de gang nous connaît chef yo en ta dou gain village de Dieu dans très sud là ou gain tila plou gain moun l'autre boy là sou pral ça vient entrer noa moun gonaïb c'est ça ou veut parler de pour dire tel groupe tel moun n'a connaît n'a bon idée ya ou ya ou veut me remplir wall la justice et la police moi même fait que ma baoua c'est irréfutable non mais Luca quand même non mais on ne peut pas non on ne peut pas accepter ou non non ça c'est Abel Lécolé non le problème ça me vient avec nous non parler attendez nous mais les moi même n'a parlé nous pas problème ah là sauf que Luca ou connaît li dans studio l'a gagné avantage là sous non mais Stanley Luca, non, si vous me permettez, non, c'est une non, monsieur le mandé Luca, ma balle motion. Stanley Luca, et moi, quoi que. En toute modestie, nous n'avons pas des leçons à recevoir de Stanley Luca. Un, vous n'avez pas été invité. Non, vous n'avez pas été invité. D'ailleurs, moi-même avec Maître Caleb Jean-Baptiste. Non, écoutez. Non, vous n'avez pas été invité. Il y a un secrétaire d'État qui. Non. Moins du ou pas gagner le. Ah là, les Lucas, quittez le palais pour ne pas réagir. Ou pas invité d'ailleurs. C'est moi-même avec M. Caleb, mon secrétaire d'État dans le pouvoir, qui t'a invité, l'y décliné parce que l'y dit pour question insécurité. C'est nous-mêmes dans le studio comme panélistes. D'ailleurs, nous tellement pas peur de bas. C'est nous-mêmes qui, d'ailleurs, animateur à lui-même, lui respecter tête lui parce que lui qu'on est préalablement pas invité. Mais c'est nous-mêmes qui dit nous n'avons absolument aucun problème. Ouais. Parce que nous pas qu'à peur Stanley Luca. Vous avez votre lucidité, nous avons la mienne. Nous pas y a monde qui peur. Mais donc, vous pas y a leçon pour faire qu'un monde. Néanmoins, vous avez extrapolé sous des questions. Alors que ou pas gagne aucun fait ou capable avancer, donc personne pas capable, par contre, est été bouche bée, et puis c'est comme si c'est M. Stanley Luca qui a extrapolé, les jou, les gangs, yoté avec l'opposition, même au nom pas qu'à citer, lorsque on m'a aussi ton nom, ou du pas la justice. Okay. Donc, écoutez, c'est très irresponsable de votre part. Merci, on allait, Luca. On allait. Le fait est que pendant le pays lok là, souvent des femmes qui étaient dans la rue, qui est-ce qui était violé, c'était gang qui t'a marché à opposition pendant le pays lok là. Malheureux qui était dans la rue, chauffeur qui t'a volé pays lok là. Souvent des qui est-ce qui t'a volé dans la rue, c'est gang qui t'a fait des opposition. Ou pas qu'à démentir ça. L'existé peuple a senti, ni vivre, ni dans ma. En tout cas, publiquement même démentir. Permettez-moi, vivre tout partout dans la région métropolitaine, les gangs qui marchent avec nous dans le pays. Donc là. Deuxième bagaille là, c'est que dans le débat qui a fait là, en général, maintenant dans le débat, c'est l'avenir de la démocratie haïtienne qui a discuté là. Dans ce qui est dans la société aujourd'hui, ils ont peur de votre peuple là, ils ont peur du bulletin de votre peuple là. C'est pour ça qu'il y a une stratégie de coup d'État qui vient 5 dates là-dedans, 30 septembre, 17 octobre,
18 novembre, 16 décembre, 7 février, la stratégie. Où pour mon autre débat, oui, Lucas? Non, mais c'est ce que j'appelle. Mon autre débat, où pour mon autre débat? C'est ce que j'appelle la stratégie du bouc émissaire. Non, donc Lucas, voilà un monsieur qui est venu pour le jour. Il est attristé parce que mon Ferrier Norval était élève. Et puis voilà, il extrapolé là, stratégie du bouc émissaire qui toujours a cherché à une responsabilité. Très bien. Lucas, bon moment, bon compte, ma bosse 5 minutes après. Mais qui te me fait ça? Qui te me dit ça? Ou d'accord avec équilibre là, c'est pour une fois, nous, fonds pas équilibre, fonds pas équilibre. Ou d'accord, il est dans le bon balai. Maintenant, Kounia, nous pas qu'à prendre tout sujet, nous mélanger. Kounia, côté mi avou, ou dis-moi comme ça, si député a posé question pour demander qui gang qui t'a violé moun, qui t'a ceci, qui t'a cela, il t'a dit c'est des gangs de l'opposition. Maintenant, et nous connaissons de la réalité haïtienne. C'est vrai, à un certain moment, on dit que les groupes gangs, c'est des proies de l'opposition, que les groupes gangs, tous, c'est des proies de pouvoir. Et maintenant, si ces groupes gangs opposition qu'on fait ça, qui groupe gang yo e, c'est l'amie. Ok. Et Romanes, son journaliste, qui est debout vers Mikwa, peuple a beau témoignage, il a beau, pendant le pays, l'offre qui gagne, qui te conviole. Moi, je fais peuple à confiance, mais je mets lui sous peuple là, moi, je ne pas pris sous peuple là. Non, pas nous, mais où qu'on aime pas vraiment, n'a pas nous, mais où qu'on aime pas vraiment, nous, Lucas. Pas n'est-ce qu'il y a pris sous peuple là, c'est n'est-ce qu'il y a touché sous le peuple là, qui va même. Deuxième bagaille là, Romain. Très important. Ok, deuxième bagaille là qui est important. Insécurité a lié à projet politique ou d'État. Le n'est-ce qu'il y a, par exemple, a pissé tout l'élève l'école, pour dire c'est Jovenel Moïse qui fait tout l'élève l'école. Son projet d'insécurité qui lie à coup d'État à quel lieu, pour venir créer une Roselyne Vaval pour demander coup d'État contre le président. Oui. Mais il a laissé étouiller l'élève d'école Jacques Mel. Il a laissé étouiller l'élève dans Saint-Marc, parents, pour te prendre la justice. Et dans mon propre département, député et ancien député de Pauline, il y a un plan pour étouiller quelques élèves pour dire ses pouvoirs. Il fait partie du plan d'insécurité. Donc moi-même, je m'a parlé d'insécurité. L'impossible que vraiment. Il y a quelques personnes qui ont dirigé individuellement qui ont contre la gang. Il faut que la justice casse les reins. Même pas de force côté dans ce sens-là. Mais en même temps, tout, gang qui collecte avec le pouvoir volé, qui a le système changé et qui collecte à l'opposition, il faut que nous casse les reins. Moi-même, je parle de quel que soit le monde qui collecte à la gang, que le pouvoir, que l'opposition, que la secteur privé, même pas de force côté. Très bien. Mais il y a force côté eux-mêmes. Merci Stanley Lucas, c'est ton plaisir. T'es content de faire parler ça à vous. Alors, ma psy. Bon, c'est moi toujours pour vous remercier parce que l'exercice qu'on fait là, lui montre que vous avez une tolérance pour toutes les idées. Il y a des nègres qui ne peuvent pas tolérer l'idée de l'autre monde. C'est ça que fait la démocratie n'a pas marché. Donc, moi, même avant d'aller, ma petite auditeur, gardons vidéo, je poste matin. Et bien, il dit non. Al gade vidéo côté poste matin côté nèg opposition a dit qu'il va couper tête élève l'école pour montrer que ça me souffle à qui nèg lié sur compte Twitter moi qui nèg lié Lucas non li sous vidéo ou doit garder non Lucas non ça dit actrice oui Lucas non Lucas Attendez, Lucas. Docteur Kader, bon titan. Docteur Yves Kader, bon titan. Docteur Yves Kader, son spécialiste en sécurité. Lucas, bon don bagaille. Non, chaque monde à prendre des risques. Moi, je prends des risques. Quitter là, quand je suis 4 chaque matin, viens faire booster, viens faire panorama, viens faire journal. C'est des risques liés. Des bagages, si je connais qu'à mettre la justice sous un piste, si je connais qui est-ce qui tue M. Dorval, je dis la justice ça. Hein? La justice ça qui a frappé. Okay. Maintenant, okay. Est-ce qu'on attend les têtes petites la couper, justement pour ouvrir les blancs comme ça, alors que nous avons prévenu à ce qu'elle mourit. Eh bien, ok, bon, nest qui dit pour aller couper tête petite papa à maman qui voulait petit à l'école, nous serons les lasagna. Ok, lasagna. Merci beaucoup, Lucas. C'est ton plaisir. C'est ton plaisir. D'accord. Voilà. Regardez sur Twitter. Merci beaucoup, Lucas. Voilà, Romanes, peut-être juste avant, ou prend, puisque si moi, avec M. Caleb Jean-Baptiste, nous fait le sacrifice physiquement, nous dans le studio, et d'ailleurs, nous t'es conseillé
suite à sollicitation M. Stanley Luka pour te prendre. Ben, c'est lié extrêmement important. Très bien. Et encore une fois, ce n'est pas Stanley Luka pour que inculquer nous les bonnes manières. Mmh. D'ailleurs, nous sommes des débatteurs, nous sommes des démocrates. D'ailleurs, nous n'avons rien à craindre. Pas quoi intervention Stanley Luka, l'hypothèse plus, pas quoi intervention Stanley Luka, l'y clarifier ni dissiper inquiétude population. Au contraire, mm-hmm. au contraire, l'y contribuer à insulter davantage population. Puisque, s'il faut résumer, Stanley Luka dit, tout le monde qui t'est levé campé, non, tant que passé on en période pays local, toutes ces gangs y ont. Parce que c'est cela la démarche. Puisque ce qu'il faut comprendre, puisque très souvent, que ce soit M. Stanley Luka et que ce soit son chef suprême, M. Jovenel Moïse, à chaque fois, stratégie bouc émissaire, ça, que M. Sola apprend, c'est qu'ils ne sont jamais responsables de rien. Mm-hmm. Yo président, yo ministre, yo directeur, yo conseiller, c'est pas jamais eux-mêmes. C'est toujours on l'autre. C'est la stratégie, il faut que vous joignez en bouc émissaire. Mais en pile fois, lorsque M. Yovle mettait tout fado échec pour voir ça sous pays loc, mais jamais, il n'y a pas jamais dit qui côté pays loc là c'est sorti. Est-ce que c'est de moun fou qui t'est levé un bon matin, pays a tap bien marché, pas de gain la vie chère, pas de gain inflation, et puis on dit n'a bloqué. Et c'est le seul pays au monde, côté moins ouais, un président de la République, un régime, à chaque fois yo parle, yo prend en question pays loc comme fado pour montrer échec yo, alors que auditoire Radio Mega et Panorama connaît très bien dans même période t'es gain pays loc en Haïti a. T'es gagné des événements que t'as passé en France avec les gilets jaunes. T'es gagné des centaines de milliers de monde qui te prend la rue en Colombie. T'es gagné des centaines de milliers de monde qui te prend la rue au Chili. Côté dans deux jours, yo crasé de bagailles qui coûtaient des millions de dollars. Mais allez regarder moun kap suivre politique internationale, que ce soit au Chili, que ce soit au Colombie, que ce soit en France. Lorsque autorité dans pays sa yo, y a parlé. Ah ben, yo pas pris question gilet jaune comme on fait adopter fait que pendant un mois ou pendant deux mois qu'un déficit économique qui était fait. Non, pour qui ça? Parce que si t'es gagné mouvement gilet jaune en France, si t'es gagné soulèvement social en Colombie, au Chili, mm-hmm. c'est parce que l'État, la gouvernance là, à un certain moment de la durée, gagne de bagaille il pas de fait et qui t'est révolté la conscience des citoyens qui fait ôter lever campé. Donc en Haïti, qui s'acte mène un pays loc? Mais pas de monde qui blie, on 6-7 juillet, côté en population, tap gade, on match Brésil-Belgique, et puis côté le régime de Jovenel Moïse, monte prix gaz à 100%. Donc c'est comme si M. Stanley Luka et son régime te gen droit un bon jour pour yon monte prix gaz là, et puis fort population te yon rete. Ok? Donc ça veut dire, yo oué pays loc là. Mais on va rappeler ça qui a provoqué pays. Très bien. Mm-hmm. Deuxième événement pays loc. Eh ben, c'était en période réouverture des classes. Côté gouvernement, il dit classe l'ouvri. Pendant 11 semaines, 2 semaines, parents vont et timoun l'école, timoun yo pas à l'école pas gen gaz. Parce que te gen on raté de gaz sous marché. C'est que l'État, c'est lui-même qui te gen responsabilité ça pour que lui importe gaz. Donc voilà deuxième raison qui te fait pays loc là. Donc d'ailleurs, dans tous les pays du monde, vous êtes le pouvoir, il y a une opposition. D'ailleurs, ce qu'on reproche toujours à l'opposition haïtienne, c'est parce que parfois, il y a des opportunités qui présentaient devant eux, ils ont par exemple bien exploité pour changer l'ordre des choses. Donc, on n'est pas capable de comprendre que ce monsieur qui s'appelle Stanley Luka, qui toujours a défendre l'orthodoxie de ce pouvoir, c'est comme s'il y toujours prend côté mal pour que l'acculer l'opposition, hein, mais ça menait malin, li pa jam évoqué. Et puis, gagner des informations que monsieur Stanley Luka toujours a bail, c'est comme si c'est seul lui-même qui gagne. C'est seul lui-même qui gagne, yo. Donc, on croit, en tout cas, et vous avez frappé à la mauvaise porte. Nous-mêmes, nous t'es
et vle ou intervenu et nous tendez intervention non mais moi penser très honnêtement ou taper et permettre que à travers assassinat ça que vraiment comme un proche pouvoir pour nous te dire c'en est assez mais moi crois que ou introduit soi-disant pour montrer que ou frappé par assassinat ça mais à la fin de la journée c'est diversion t'es voulu créer c'est extrapoler pour que défendre yon pouvoir qui do au mu et yon pouvoir qui toujours a cherché le bouc émissaire Maître Caleb et bon Romanès femme frère avec vous et intervention monsieur Stanley Luca fait un pitris encore pas créé non il fait un pitris encore les nap gardé docteur Dubrelli intervention Stanley Luca après la mort professeur docteur en droit bâtonnier de l'ordre bas au Port-au-Prince maître Montfleury Doval Jean député Abel de Collins Odili nous pensons que Monsieur Luca, t'a montré li plus respecté population haïtienne nan. Non pas s'il t'a montré nous li plus vraiment te bay vie moun, vie intellectuelle, valeur Jean tout dit le début son moun ki intellectuel ki respect pour. Quoi ça fait nous dit ça? Nous comprenons que monsieur Luca connaît très bien que le président selon article 136 là, c'est garant bonne marche institution yo. La parler des gangs, bah c'est la condamner crime non et pour le demander avec monde qui là pour bailler sécurité dans pays là pour prendre responsabilité yo si yo pas capable pour yo plier bagage pour yo démissionner rapidement pour y aller bah c'est ça le t'a fait bah c'est t'a bailler un délai pour joindre monde qui commet crime non et dans le cas contraire il t'a demandé monde ça yo puisque pas capable sécurité pas capable justice il t'a conseillé yo démissionner parce que pas oublier le président de la République, c'est garant bonne marche institution. Yo. Si institution pas fonctionner, me pense tout le tap dit et président, nous juger bon ça, son dernier crime, nous juger bon ou pas garantir bonne marche institution. Yo. Bien que moi toujours défendre nous et faire divers pour dans la presse, fera ça nous mando pour démissionner. Malheureusement, et pas ça et Luca et monsieur Stanley Luca fait et nous comprenons et dans quel niveau et bah elle arrive connait bien que monsieur Stanley Luca pas vivre dans pays là depuis un pile temps et mais toujours très actif dans média yo mais il pas jamais venir dans pays quand même son choix bah qu'on est si son choix volontaire ou bien est-ce que c'est venir pas venir est-ce que c'est des problèmes liés avec population ou bien côté sortie ou bien est-ce que c'est volontairement pas venir mais nous même nous t'a bien aimé ouais non là dans studio j'aimerais avec un député des colonies là pour n'a parler comme ça et nous souhaiter nous wel comme ça et peuple là tout a aimé wel comme ça parce que nous passé son haïtien lié et il pas arrêter tout temps dehors c'est dans radio c'est dans faut venir prendre soleil là avec nous et puis Jean lui dit le même pays pour nous mettre ensemble pour pays avancer et puis on m'en laisse femme claire avec vous ça vient créer plus doute dans tête moi toujours là yon proche pouvoir après yon la mort yon crime au dieu comme ça l'arrivée c'est comme ça la peut venir ça vient créer des doutes. Très bien. Ça vient mettre ça me poser tête mon équipe question qui sac des crimes ça. C'est pour être ça n'a mandé avec tout avocat dans pays là. Nous connaît nous sous groupe nous parler. Gagné avocat qui relem là Romanès forme clair avec vous qui crier qui pas ca résister. Oui, là moi touché moi. En pile avocat relem m'a crié matin mais bagaille. Et ça fait vraiment mal. M'a dit monsieur Stanley Luca Ressaisis-le parce que mon temps cou mon frère Doval qui allait dans condition ça me pense que il t'a montré le plus soucié très bien de vie monde au lieu de venir faire diversion là me pense il t'a touché malade là il t'a vraiment touché problème dans côté là pour te demander justice rapide et malheureusement il pas ça dossier Luca gain objectif li Luca voilà. Gain objectif li moi même personnellement pas t'apprendre puisque il dit que le premier message il bon il dit que li vle font intervention bon me chercher pour nous nous te ca lire textuellement Jean lité comme là mais c'est le Luca moi t'a même dit un mot sur assassinat maître Doval qui c'est ancien élève moi OK après ça m'va répondre et puis bien entendu me pote répondre
Là, on parle à M. Kaleb, il dit analyse penché en bas. Et si l'opposition qui fait l'info qu'il vient de donner is fake news. Et puis, il m'écrit le message ça. Moi, je suis un secrétaire d'État qui est venu dans l'émission, c'est à 10h22, il n'y a pas de moins, il m'a tourné l'appel à 18h30, il dit que la situation est fragile, il n'y a pas de venir hier soir, il n'y a pas de dormir. Et puis, il m'a dit, moi là. Ok, il dit, moi là, et il m'a dit, Lucas, sincèrement, je ne vais pas te. Et puis, pendant que je dis ça, je m'appelle Misa et là, puis, député de Colline, il me prend, il prend. Mais Lucas, nous tous connaissons, Lucas, c'est le monde qui parle dans toute émission qui a un gros écoute pour elle, il fait ça, il fait là. Bref, bon, travaille pour me finir, je vais profiter. Il travaille pour me faire pour peuple, parce que la gueule dans ça, Lucas fait comme travail par lui-même, mais vous montrez parce que Lucas fait des gars dans le pays là, qui s'est fait, beaucoup de monnaie, on va regarder ça. Et peut-être. Ma profite salut au monde qui écrit là son monsieur qui vit au Canada qui c'est monsieur Pierre qui vraiment est pas content pour me dire vexé de déclaration et monsieur Lucas c'est un monsieur qui Canada qui vraiment et prend Haïti à cœur monsieur Pierre nous salue où et où connaît monsieur Lucas c'est Lucas et qu'on salue et il est touché pour ça même si elle va venir en Haïti il y a un gros chèque d'après les ont dit ils vont gagner d'après peuple là d'après réseaux sociaux et si m'a regardé ou dit monsieur Lucas touché d'après les réseaux sociaux et nous l'état monsieur Lucas pour le confirmer ou infirmer. Ouais. Très bien. Peut-être juste avant nous traverser dans l'autre sujet puisque nous là et comme ancien député mais que ce soit moi-même et maître Caleb Jean-Baptiste nous on fait partie de collectif ancien député avec Alieyo nous tellement et touché et révolté matin même nous produit en note de condoléances mais tout de protestations si vous permettez-moi rapidement n'a pas lecture collectif ancien député opposition avec Alieyo Port-au-Prince joue qui 29 d'août 2021 c'est à Kessere collectif ancien député opposition ak allié Kadoa saluer toute population haïtienne nan, pendant le partager la peine toute famille frais accès nous cap tomber en babal criminel chaque jour Kadoa saluer tout moun l'amosa fait la peine Kadoa constater climat terre qui installé dans pays pour empêcher peuple haïtien jouir droit constitution en Bali sous plan social politique et économique pour empêcher mobilisation contre régime tête calée. C'est plusieurs massacres d'État qui fait dans quartier populaire, massacre La Saline, massacre Kafoufei, massacre Tokyo, massacre Belay. Pour fermer bouche l'église catholique a dénoncé corruption et qui a exigé procès Petro-Caribé. Paix Simoli tombé en babal criminel et puis yo bombardé Paix Didi Horace sous l'hôtel lit à gaz lacrymogène. Pour croiper liberté la presse, c'est plusieurs journalistes qui pas dans ses collés à pouvoir PHTK qui tombé en babal. Les gagneurs Rosmic Pétion pour prendre contrôle secteur privé depuis yon entrepreneur pas supporter pouvoir PHTK yon lagué ULCC d'yel pour capable persécuter pour montrer que yon prend toute bagaille sous contrôle et pour empêcher loi et la parole jounen joudian nous révolter nous attrister lo nous ouais nan ki condition secteur professionnel là rivé frappé ak barou Port-au-Prince qui te gagné comme bâtonnier mettre Montferrier d'Oval qui mourit en bas zak criminel nan résidence la Caille. Kadoa dit c'est trop à tort, c'est première fois dans l'histoire pays a criminel assassiné un bâtonnier. Kadoa a demandé est-ce que depuis un citoyen ou bien un citoyenne pays d'Haïti revendiquer droit dénoncer Zach qui pas bon condamné pour prendre prison politique condamné pour tomber en bas balle condamné en bas persécution politique Kadoa condamné tout Zach criminel à persécution politique ça yo Kadoa mandé la presse pour yo prendre un petit temps dans journée Capiviniola pour yo passer en même temps dernier interview bâtonnier Dorval t'es fait dans Radio Magique 9 Kadoa répéter déclaration bâtonnier qui dit paysan pas pour Jovenel Moïse pas qu'à gain élection paysan pas
ni administrer ni gouverner kadwa mande toute population haïtienne nan pour l'entrée dans désobéissance civile yon façon pour faire solidarité ak toute victime yo et puis freiner train criminel sa yo kadwa a plaider pour yon nouveau système qui chita sou yon état de droit. Très bien, nous va regarder là justement les a vraiment arrivé sous moi, est-ce que me rentrer dans dossier politique là ou bien justement dans dossier Laura. Comment nous allons voir la Kaoumet et Caleb? Et Wannes, ça encore montre nous que l'État, dirigeant dans l'État, pas bien monde valeur, vie monde valeur. Et cyclone Laura, moi-même qui sont mon avisé, moi t'ai gagné pour me faire une visite dans ferme ancien sénateur Yuri Latortue parce que me devais regarder. C'est dans dimanche, moi levé. Moi regarder moi ouais l'appui très bien de roi moi pile l'appui a tombé et laisse me bral connait que yo t'ai annoncé cyclone quelque part pas de gain communication pas de gain information sur question voilà c'est juste pour montrer où ce tremblement de terre moun pas prévoir mais cyclone son bagage ou ka prévoir l'état tellement pas de bay moun valeur pas bay vie moun importance yo pas même annoncé population haïtienne non tab gon cyclone pour population haïtienne t'a prendre des précautions et m'ai l'impression si on t'a annoncé population haïtienne t'a des cyclone docteur qui perdu la ville avec petite li a pas perdu la ville et tout en pile l'autre monde qui mouri dans cyclone ça pas t'a privé perdu la vie yo. Tout monde ça yo m'la gè responsabilité à sous l'état très bien c'est l'état haïtien même qui gagne en tête li jusqu'à présent monsieur Jovenel Moïse qui gagne joute qui gagne ministre justice qui gagne ministère qui gagne tout l'autre monde yo qui cause journée aujourd'hui a n'a perdu des cadres dans pays a nous perdu des cadres dans loi nous perdu en pile monde nous gon équipe et dégâts matériels qui cause parce que bon clairement Romanès si yo di ou ancien député des collines là a gagne l'appui ou gagne des précautions à prendre très bien si me connaît que yo di a gagne cyclone moi connaît me gagne droit si me d'aller dans sud me doit prendre des précautions pour me aller si m'ta traverser par exemple et yon rivière m'connais est-ce que m'ap ka gata tourner si m'ba connais c'est normal moi ka toujours prend route moi en toute quiétude pour m'aller c'est juste pour me dire l'état c'est faiblesse l'état même c'est l'état les dirigeants dans l'état qui pa bay la vie moun valeur qui seulement gon se bay dans tête yo député Abel de Colline qui c'est yon intellectuel de Belo qui c'est ancien député qui pas d'accord avec pouvoir yo mettre l'opposition quand des gars qui l'opposition c'est pouvoir mettre l'opposition comment qu'on met l'opposition ouvre le pays au marché bien ouvre le wagen l'hôpital ouvre le wagen l'école ouvre le wagen université le fait que on pouvoir li choisi prend l'argent gaspiller acheter caille acheter l'autre bagage yo pas faire pour population là ou même en tant que un monde qui conscient yon moun ki ta remet pi ou chanje ou oblige dénoncer l'ob dénoncer ou di ou se opposant est-ce que vous comprenez ça veut dire pouvoir ça au lieu li prend li fait travail population hein, li pito même k'ap dénoncer pour ta corriger kayel li voyer assassiner ou li voyer tuyo la persécuter li fait tout ça tout bagarre connait possible pour li rendre la vie ou tourner en enfer et au lieu li te mette service disponible pour te dire ah gen cyclone prend des précautions et pour te dire que et ça bah protection civile et mobiliser et bien on va faire ça journée aujourd'hui nous qui 8 heures de temps la pluie pas même pourquoi tu gata 8 heures de temps la pluie pour tout dégâts ça a causé et ça fait pour bon, 8 heures de temps en pile 8 heures de temps en pile 8 heures de temps la pluie pour faire dégâts ça l'empile 2 heures voilà, de café voilà et ça me pose mon question et côté travaux publics parce que l'eau ça à côté docteur rivé mouyan son de l'eau qui presque gagné en semaine depuis là pour boucher ça veut dire si yo t'ai débouché tout ça avant cyclone nan ça veut dire de l'eau peut-être t'a joué côté pour passer les docteurs a pas t'a perdu la ville très bien alors là justement on rapide pour m'entrer sur toute ambassade américaine là alors sous question Laura moi crois que maître Caleb Jean-Baptiste lui dit l'essentiel mais moi crois que et à travers dernier cyclone ça puisque gagné de l'autre cyclone qui pourrait arriver moi et fait un constat et évidemment l'eau permet moi faire constat me te qu'on fait déjà
ou gagner un pays côté gagner de responsables et permettre encore nous prend des exemples sous de l'autre pays. L'autre pays côté gon gouvernance qui respectait Tetio et Romanes et comme journaliste ou même ou capable de témoigner de ça, ou gagner de pays en termes de transport public. Qu'on gon un train qui déraillait et que gagner de moun qui mourit à l'issue de train ça qui déraillait. Eh ben celui qui est en charge comme ministre des transports, il démissionnait. Il démissionnait. Alors que ou t'es capable de dire c'est un incident technique que le ministre n'a rien à voir. Mais moralement, eh ben il tirait les conséquences. Mais en Haïti, nous gagnons de responsables négal pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, c'est comme si il n'est jamais responsable de rien. En parlant de loi, et M. Caleb demandait à juste titre, qui côté travaux publics t'ayez? Nous avons actuellement un ministre à la tête de ce ministère, il est M. Joaceis Nader. Eh bien, c'est un ministre qui est très proactif dans les médias. Parfois, je me demande, est-ce que le baguette propre rubrique pas long série de médias? Pour dire qui ça? Pour dire que l'app travaille? Pour dire qui ça? Pour faire des leçons à l'opposition? Pour dire qui ça? Pour reprocher peuple qui construit dans mauvaises conditions? Et lorsqu'on a fouillé zone en Kalalou, et lorsque même on a attendu mini Joaceis Nader, il est dans le système là depuis 35 ans. Et il fait plusieurs années comme responsable entretien, service d'entretien dans Port-au-Prince. Donc c'est lui qui est en charge de questions. Très bien. Donc c'est lui qui est en charge de questions entretien, ça veut dire pour les questions de canalisation, etc. Et pour permettre que Egouyo n'y a pas bouché, pour et peut-être conseiller et les plus hauts responsables, vous comprenez parfois. Ou compte non position de subalterne, ou capable faire de conseil et de ou capable bailler de conseil avec supérieur hiérarchique, ou capable suivre. Pas prendre. OK. Maintenant, l'obtendez monsieur Saka parler de situation de conséquences chaque si la pluie qui tombait dans Port-au-Prince ou dans la région métropolitaine non, ou dans pays, c'est comme si son monde qui était dans l'autre planète. Okay. C'est comme s'il était dans l'autre planète pendant ses 10, pendant ses 15, pendant ses 20 dernières années. Mm-hmm. Et puis voilà, il y a tout juste 6 mois que Aurélie Levin ministre des travaux publics. OK? Et pour l'Abdou, eh ben tel problème qui posait, c'est parce que Mounio mal construit. Tel problème qui posait, c'est parce que Mounio lagué fatra. Alors que le type, il est dans le système depuis 35 ans. Très bien. Donc, première chose. Mais deuxième chose, sous question Laura Sarah, quand vous entendez parler l'actuel ministre des TPTC, c'est comme si il est de bonne volonté. C'est comme s'il vient pour le révolutionner. Parfois, c'est l'autre monde qui peut travailler ensemble avec lui. Et puis, moi-même, votre serviteur, qui était député de la circonscription de Mirebalais, mais qui pas député encore, qui continuait à œuvrer dans la communauté, eh bien, ou bien il y a de dangers, mais de dangers imminents très bien dans le plateau central. Et me remercier au espace booster qui te permet moi alerter. Ou bien pont créé le pont fer à cheval qui longeait route nationale numéro 3, sorti Port-au-Prince, passé Mirebalais pour arriver à Hinch. Le fait que depuis un certain temps, avec problème qui gagne en région l'Artibonite, et le fait que pour passer dans national numéro 3 pour aller dans le nord, nord-est, les picoutes, ah mais pis fort pour Alouyo. Machine capote gaz, capote l'huile, c'est là au passé. Eh bien, pont presque effondré. Eh bien, comme citoyen, moi écrit ministre travaux publics ça. Et avant, gagnons pont créer les ponts Latem. Gagnons deux routes qui sont de très mauvais état. Mais je ne saurais vous le cacher, Romanes. Bah, on me joint une réponse, non? Mais mon réponse administrative, vous t'a joint pour vous dire, écoutez. Soit au bas en fin de non recevoir, soit ministre t'a dit, eh ben monsieur le député, pour route ponçon des Mirebalais, ou bien pour tel pont ou alerté qui presque effondré, mais qui disposition qu'a prend, mais le fait que c'est on Abel des collines apparenté opposition, donc ou alerté sous de danger imminent, même réponse au pas jambes joint. Donc c'est pour nous dire que peuple haïtien, c'est lui-même qui gagne pour le prendre de précaution, puisque il a annoncé de l'autre catastrophe
de l'autre catastrophe naturelle, de l'autre cyclone. Donc, nous constater tout simplement, au niveau de la gouvernance, au niveau de ce pouvoir, c'est plus de propagande, mais dans le concret, pas gain un rien qui fait. Et je terminerai, M. Caleb Sodili, puisque côté docteur, ça a été mourir. 14 minutes, c'est... moi, toute ambassade américaine. Eh bien, voilà, c'est une zone comme toujours passé. Mais, c'est une mobilisation après docteur Afin mourir. C'est recherche quoi, oui? Ou passer, ou te joindre pompier, mairie tabac qui là, et quelques monde qui là. Mais, ou yo fin joindre quoi? Al passer dans zone ça, dans Vivi Mitchell, ou pour être toute la bouillot. Yo toujours là, toujours même levé ou pas levé yo. Donc si Asroya on l'autre là plus tombé, eh ben, mande Dieu pardon, si on moun pas connaît, li vin passer dans périmètre ça, eh ben capable gagner de l'autre victime encore. Très bien, pour montrer justement qui témoin li note ça, c'est la Fédération des Barreaux d'Haïti qui déjà positionné yo. Regardez rapide si m'gabay lecture puisque l'air a vraiment arrivé sous moi. Port-au-Prince, le 29 août 2020, la Fédération des Barreaux d'Haïti, FBH, annonce avec douleur et consternation la mort du bâtonnier Montferrier d'Orval, exécuté de la cour de sa résidence de la soirée du vendredi 28 août 2020. La coopération est touchée en plein cœur. Conseiller de l'Ordre des avocats du Port-au-Prince, depuis 2017, M. Dorval a été élu bâtonnier de cette juridiction le jeudi 6 février 2020 et participé activement à ce titre au conseil d'administration de la Fédération des Barreaux. Docteur en droit, professeur des universités, M. Dorval a formé plusieurs générations de professionnels du droit qui se retrouvent aujourd'hui en deuil. Le bâtonnier Dorval s'était engagé contre les sécurités qui rongent la société haïtienne. Il avait notamment dénoncé la situation du palais de justice de Port-au-Prince, abandonné par l'État, et l'insalubrité et aux bandits. Doit-on rappeler que depuis des mois, des magistrats, des huissiers, des avocats sont tués dans les parages du Bicentenaire et Matissan? Doit-on rappeler que le quartier voisin de la Saline a été la scène en novembre 2018 d'un terrible massacre resté à ce jour impuni? De nouvelles attaques sanguinaires faisant depuis des centaines de victimes? La disparition de M. Montferrier d'Orval représente une perte immense pour le pays. La Fédération des Barreaux d'Haïti exige que tout soit mis en œuvre pour que les auteurs et complices de cet assassinat soient identifiés, jugés et condamnés. L'État haïtien doit faire la lumière sur ce crime odieux et mettre un terme au cercle vicieux de la violence et de l'impunité. Dans ces circonstances tragiques et en attendant de reprendre d'autres mesures, les Barreaux d'Haïti réunis au sein de la Fédération demandent aux avocats et aux avocates des 18 juridictions du pays d'observer un arrêt de travail sur l'ensemble du territoire national, ce jusqu'à l'organisation des funérailles de notre illustre confrère. M. Jacques Létang, président, M. Robinson Pierre-Louis, secrétaire général. La nouvelle, c'est qu'en dehors du dénoncé, mais Fédération des Barreaux d'Haïti demande à ce que toute juridiction dans le pays, c'est 18 juridictions, pour y'a camper travail jusqu'à ce que M. Doval enterré. Dans un tweet qui lui fait... Ambassade américaine, lui, il mandé président de la République là pour le ralentir, justement, sur des décrets la prend. Mais dans fin tweet là, lui dit tête que lui, justement, était attaché avec acquis démocratique, yo, acquis, et justement, état de droit. C'est un diplomate, c'est diplomatie. En diplomatie, parole de tout le monde qui comprend. À mon avis, cette question de décret n'a pas intéressé, mais plutôt, lui mandé président pour accélérer pour faire élection. Et ça me comprend. Dans texte là, député de Collins, vous comprenez? Écoutez, sous tweet ambassade américaine, non, évidemment, il y a plusieurs réactions qui fait sous lit. Mais, et moi, quoi, en toute honnêteté, et étant donné que il y a un champ de prédilection, c'est les relations internationales, moi-même, moi, il y a plusieurs considérations par rapport à notre ça. Très bien. Moi, attendez de. Et collègues de personnalités de l'opposition qui offusquaient, qui montaient au créneau, qui dit que il est anormal, et même de confrères à travers la presse, qui dit Haïti son pays souverain, et ambassade là, pas capable de fourrer bouche li, n'importe comment, dans la situation pays. Puisque je crois, et gagner en pédagogie pour nous faire, Haïti, c'est un pays qui est indépendant, mais ce n'est pas un pays souverain. Et moi, je crois que des cantations, faut qu'on fait. C'est peut-être triste ce constat, mais nous, indépendants, nous pas souverains. Dans le livre, nous souverains, oui. Ah ben oui, dans le livre, nous souverains. Mais la souveraineté, l'y impliquer, ou ensemble de conditions, ensemble de réalités, ensemble d'exigences. Et lorsque
ou son pays qui pratiquement dépend, par contre, de l'assistance alimentaire étrangère, de l'assistance économique étrangère, bref, et même en forme d'acculturation, c'est pas même seulement sur le plan et alimentaire, acculturation tellement imprégnée, parfois même propre identité nous presque blié. Donc, son première considération. Maintenant, s'agissant de la diplomatie à proprement dite, Jean ou rappelait dans questionnement. Là, là encore, et l'histoire est montrée, en fait, l'histoire des relations internationales, les rapports entre deux pays, les montrer que Haïti, c'est pas premier pays qui malheureusement objet d'une diplomatie d'ingérence. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était objet d'une diplomatie de dépendance. L'Allemagne, défaite de la Deuxième Guerre mondiale, elle était sous emprise des Américains à travers le plan Marshall qui t'a permis la reconstruction de l'Europe. Donc, parfois, pour autorité allemande dans l'époque, ça a été pris de position, et ils étaient obligés de joindre un hoquet de Washington. Il en est de même pour le Japon qui est perdu Deuxième Guerre mondiale. Là, d'ailleurs, que les Américains ont même forgé, concocté une constitution pour le Japon qui mettait non position de neutralité côté au Pagon Gros l'armée. Moi, c'est Jounen Jodiala depuis un certain temps et Japonais, il y a comment il y a sorti de constitution ça pour permettre que non seulement sur le plan économique, yo bon, mais pour yo gagner l'armée. Donc, pour moi, c'est et non pas premier pays qui objet de question ça. Très bien. Donc, c'est une troisième considération. Néanmoins, relation entre les États-Unis avec Haïti, mais pour me plus direct, relation qui existait entre l'ambassade des États-Unis et pouvoir qu'il a. N'ayons pas peur des mots, c'est en relation de maître à esclave. C'est en relation de maître à esclave et nous gagnons des faits pour nettoyer. Très bien. C'est que pendant que moi-même comme citoyen ou même comme journaliste, on l'autre monde captain de là, nous offusquer, nous révolter puisque effectivement c'est anormal. La Convention de Vienne, les pas bay toute latitude ça avec quelle que soit ambassade là et quelle que soit puissance là. Mais ce qu'il faut comprendre, l'aime dit son relation de maître à esclave là, c'est que de façon délibérée, président pays noir acceptait volontiers qu'ils sont esclaves des États-Unis, qu'ils sont esclaves de l'ambassade là. Puisque maître Caleb Jean-Baptiste, comme citoyen, capable de parler sous une problématique qui est réelle, mais comme c'est maître Caleb Jean-Baptiste qui n'est pas du pouvoir, même le OL réel, nous n'avons rien à foutre, pardonnez-moi l'expression. Même le c'est, par contre, on t'imagine, secteur paysan, il a parlé son problème, il a un problème dans le réel, lui. Mais ça n'a pas inquiété, parce que c'est secteur paysan qui parlait, c'est secteur religieux haïtien qui parlait, c'est syndicat enseignant qui parlait. Donc, pouvoir pas ébranler. Mais automatiquement, c'est l'ambassade des États-Unis ou le département qui baillent l'ordre. Très bien. Même lorsque c'est un ordre manifestement illégal, pouvoir l'y obéir. Voilà bien. Ce que nous appelons relation de maître à esclave. À tel enseigne, nous parlons de l'insécurité pendant toute émission ça. Gon ensemble de cas qui t'est passé. Et moi, je suis vous dans plusieurs émissions. Tout le monde t'a pinté au GEO. Mais pour qui ça la présidence pas j'en réagis? Première réaction la présidence pral fait sous cas d'insécurité qui te gagne dans le pays, hein, c'est lorsque l'ambassade américaine lui-même récemment, avant dernier tweet ça, il a fait. Oui, là, il t'a parlé de Timoun. Voilà. Donc son chaîne étrangère, tout qui t'a parlé des questions. Son chaîne étrangère et l'ambassade des États-Unis par rapport à Timoun qui était bourré dans Cité Soleil et dans question 400 Maozoa. Et c'est automatiquement l'ambassade des États-Unis la veille li sorti un tweet pour le condamner question ça et pour le demander au prendre des dispositions et puis nous pral ouais le palais national
pour la première fois, les mêmes tout pral font réaction sous question ça. Eh ben voilà, deuxième scénario, tweet ça de l'ambassade des États-Unis qui m'a dit, écoutez, halte là avec ensemble de décrets ça yo, mais quelle a été la réaction officielle du gouvernement? Vous avez un ministre des Affaires étrangères qui dit, mais écoutez, c'est un pays ami, et ben nous conseille ça, mais il dit nous tout, il n'y a pas appuyé dans l'élection. Alors que c'est ce même pouvoir, lorsque Nations Unies a gagné un représentant avant Madame Kirele, Madame Lalimna, Madame Nante Anik fait écho de. Et rapport, premier rapport, la Cour des comptes, là, que l'été dit, c'est on part dans la bonne direction. Le lendemain, c'est même pouvoir ça, parce que comme prise de position, ça, pas en faveur, pas arrangé, et yo, t'es déclaré persona non grata et t'es demandé, Nations Unies prend les dispositions pour rapatrier madame. Donc voilà. Ce tweet de l'ambassade des États-Unis, oui, on comprend, il est capable d'alarmer, offusquer un pile monde, mais il prouve que c'est une relation de maître à esclave, puisque automatiquement que l'ambassade ou département d'État a parlé, et les esclaves suivent délibérément. Merci beaucoup, c'est ton plaisir. C'est ton plaisir. Maître Caleb, merci. Merci, Oumanes, c'est mon plaisir pour me dire là avec vous. Et salut, docteur Dolce, cap sur vous. Et son plaisir. Mais, je te voulais dire un petit mot avant de finir sur ce tweet là. Rapidement. Pour moi, son tweet, mesdames. Madame Lalim, son membre PHTK allié, son madame qui vient là, c'est la bagaille Nations Unies qui vient là. Son allié, son membre. Son membre PHTK ou Manes, m'babaye Saldivale. Tout ça là, fait là, dans le moment, c'est dans l'intérêt PHTK. Merci un peu tout le monde. 29 août 2017. 29 août 2020, jeudi a fait 3 l'année. Depuis pouvoir ça, tu es révoqué Roosevelt Bellevue dans le scandale scolaire. Qui ça fait? Est-ce que l'autre monde qui est révoqué? Est-ce que y a arrestation? Nous tous connaissons. Merci un peu tout le monde. Panorama arrivé dans Bouti, c'était dernier mois nous. Pour, c'était dernier rendez-vous nous pour moi, août 2020. Samuel Doury m'a fait manœuvre technique. Yo, moi, il est le Roumanes samedi. Croisez-moi lundi matin, 8h30 pour Booster. Quant à Panorama, on a croisé samedi.